Salut tout le monde, capsule Sortez golfer, les filles présentées par Cruz. Et cette semaine, je vous présente une fille qui, selon les rumeurs, a une swing à faire rêver tous les golfeurs, Jade Gingras. Jade, on a mis la barre très haute en me présentant ta candidature, comme quoi tu es une redoutable golfeuse, swing impeccable. À mes journées, ça va bien, oui, ça va bien. Quatrième saison comme golfeuse, dis-moi comment la piqûre est arrivée. C'est un peu à cause de mon chum, parce que lui jouait, puis moi j'étais maman à la maison auparavant, fait que je m'occupais beaucoup des enfants, puis là, ils ont été à l'école, puis j'ai dit là, si on veut faire des trucs ensemble. Ma passion, c'est le golf. Fait qu'il m'a dit, moi, j'aime ça, c'est un bon joueur. Fait qu'il dit, je te conseillerais de suivre des cours, puis de voir si t'aimes ça. Puis j'ai commencé par suivre 5 cours, puis j'ai pogné la piqûre tout de suite, j'ai joué tout de suite, puis je joue plus que lui maintenant. Pas meilleur. Je me le mets en défi, mais c'est juste que j'ai plus de temps qui me le permet de jouer plus que lui. Tu te qualifies comme une intense. Très intense. En quoi ça te sert dans ce sport-là? Ben c'est parce que moi, je vais aller pratiquer. Si, mettons, j'ai pas une belle game, c'est sûr, je vais aller au driving range. C'est sûr, je suis là 2 heures de terre, panier, 2 paniers. Je vais essayer de trouver c'est quoi le problème. C'est très important pour moi de bien jouer, là. Fait qu'un beau swing, j'aime ça, de bien frapper la balle, de comprendre pourquoi, c'est ce qui me définit pas mal. Si on te parlait peut-être du procédé pour te rendre à où tu es aujourd'hui, quelqu'un qui commence jusqu'à aujourd'hui. La pratique, les cours, honnêtement, moi, j'ai beaucoup de monde qui n'ont pas suivi de cours versus il y en a qui n'ont suivi. Pour ma part, à moi, les cours, c'est ce qui m'a fait que ça m'a donné la passion et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait progresser si vite aussi. On me dit que tu joues quoi, 85 environ? Ça, c'est mes meilleurs games. Je joue pas toujours juste ça. Mais ça, c'est quand je joue bien. Mes meilleurs scores, c'est... J'ai jamais cassé le 85, je l'ai joué plusieurs fois, mais... Ouais. OK. C'est quoi tes meilleurs trucs? C'est vraiment de... Je profite de la journée, je suis dans le bois, c'est le fun, je me concentre, go. Go with the flow, honnêtement, c'est ça. C'est ma troisième saison, c'est sa quatrième. La barre est haute. J'ai du chemin à faire d'ici l'an prochain. Tu dirais que tu joues combien de games à peu près dans ton été? Bon, l'été passé, c'est exceptionnel, là, mettons 50. Mais les années d'avant, 20 peut-être. Mais là, j'en ai juste 4 de jouer à maintenant. Fait qu'habituellement, j'en aurais joué beaucoup plus que ça. Fait que si cette année, j'en joue 20, je vais être bien contente. Moi, je dis souvent que ce que j'aime de ce sport-là, c'est que je peux autant jouer avec mes parents, des amis de filles. Tu parlais de ton chum tantôt, tes amis de filles aussi. Qu'est-ce qui rend ce sport-là aussi accessible peut-être à tout le monde? Le social, c'est tellement... je le répète, j'ai été maman à la maison. Ça a été pour moi une découverte de... Tu sais, mettons, tu vas au gym, tu vas courir, mais tu as toujours... Tu reviens à la maison dans 30 minutes, tes enfants sont là. Moi, d'aller 4 heures, c'est la première fois que je décrochais de mes enfants, que je me permettais de penser à moi, puis que je faisais « wow! » Tu sais, c'est vraiment... moi, honnêtement, même s'il y a de la neige, il pleut, je suis là. Fait frette, fait pas frette, j'ai une tuque, j'ai des gants. Il n'y en aura pas d'excuses. C'est sûr que je suis là. Si je te disais une question difficile, mais qu'est-ce que t'aimes le plus du golf? Frapper la balle. C'est con, là. Ça commence bien. C'est un bon début. C'est vraiment l'impact de la balle. La première fois que j'ai frappé la... Ben, tu sais, dans le fond, j'ai suivi des cours, j'étais pas bonne. Tu frappes des balles, tu te dis « qu'est-ce que c'est ça? J'aimerais jamais ça. » Puis la première fois que j'ai frappé la vraie bonne balle, puis que ça a fait « toc », puis qu'elle est partie, j'ai fait « OK, là, j'ai quelque chose. » Tu sais, j'ai vraiment envie, quand je vais pratiquer, il y a beaucoup de gens qui vont pas pratiquer. Moi, j'y tiens, j'y vais. Je frappe, puis à chaque fois, je suis comme « oh mon Dieu, que c'est le fun de frapper une balle. » Fait que c'est vraiment, c'est aussi simple que juste frapper la balle. Eh hey, bien, un gros merci pour ton temps. Si tu te mets à donner des cours, mets-moi sur ta liste d'attente. Ça va me faire plaisir. Parce que 25, j'irai pas non. Merci, Jade. Merci à toi. Bonne saison.